Hola les bombasses, j'espère que vous allez bien. Bon, on m'a demandé de faire de la chanson française. Donc, j'ai décidé de réduire Jean-Louis Aubert à l'état de JR. Je ne sais pas trop si c'est une bonne chose pour lui, mais en tout cas, c'était une bonne chose pour moi, parce que j'ai bien pris mon pied pour vous proposer cette petite version de la bombe humaine de Téléphone. Dans cette chanson, on répète souvent « Faudrait pas que je me laisse aller », mais bon, je me suis rendu compte qu'il fallait se laisser aller pour l'interpréter de façon adéquate. Alors, je me suis un peu lâché. Si je vous fais peur à un moment donné dans la chanson, c'est normal, c'est même l'effet recherché. Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute et j'espère que ça vous plaira. On se retrouve à la fin de la chanson pour un petit message et place à la musique. Je veux vous parler de l'arbre de demain, enfanté du monde, on saura la fin. Je veux vous parler de moi, de vous. Je vois à l'intérieur des images, des couleurs qui ne sont pas à moi, qui parfois me font peur, sensation. Qui peuvent me rendre fou. Nos sens, ce sont nos films, nos pauvres marionnettes. Nos sens sont le chemin qui mène droit à nos têtes. La bombe humaine, tu la tiens dans ta main. Tu as détonateur juste à côté du cœur. La bombe humaine, c'est toi, elle t'appartient. Si tu laisses quelqu'un prendre en main ton destin, c'est la fin. La fin. La fin. La fin. Mon père ne dort plus. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Quand j'ai pensé chanson française, en fait, c'était une évidence pour moi de faire cette chanson. Je vais vous expliquer pourquoi. Avec toute la symbolique de la chanson, tout ce qu'elle me fait ressentir, en fait, la méfiance, la dépendance, les sentiments de révolte aussi. Donc la méfiance et l'indépendance à travers la phrase, si tu laisses quelqu'un prendre en main ton destin,
c'est la fin. Donc voilà, ça parle pour soi, ça renvoie au fait qu'on est maître de nous-mêmes en fait, et qu'il ne faut pas se laisser dicter nos vies par autrui, par des personnes mal intentionnées qui veulent nous juger et puis se servir de nous en fait. Et puis la révolte, ouais, ben, faudrait pas qu'on se laisse aller. Faudrait pas qu'on se laisse aller. Et là, je voudrais adresser un message spécial donc à tous mes contacts, à tous ceux qui voient cette vidéo, notamment ceux qui vivent des moments compliqués en ce moment, qui se sentent dans le mou, qui sont en colère, qui sont frustrés, voire abattus et isolés avec les temps qui courent, c'est fréquent. Et voilà, c'est un petit message de sensibilisation en fait. Surtout, ne vous laissez pas aller et puis faites des choses. Faites des choses. Faites ce que vous aimez, faites ce que vous pouvez. Tout ce qui peut vous procurer la moindre joie, faites-le, foncez, faites-le. Voilà, j'ai pas vocation à vous donner des leçons de vie ou quoi que ce soit, c'est juste que je l'ai vécu. Je l'ai vécu il n'y a pas si longtemps que ça. Le premier confinement, j'ai fait l'erreur en fait de m'être laissé aller, et puis j'ai rien fait du tout. Et voilà, je me suis abattu moi-même, j'étais une bombe humaine pour moi-même. Et c'est pas évident de se reconstruire quand on a complètement implosé. Alors si on peut s'éviter ça, voilà, faites des choses, faites des choses. Restez actifs, changez-vous les idées, comme avec la musique pour moi, par exemple. Voilà, d'où le choix de cette chanson. Maintenant vous comprenez. Et j'espère que ça vous a plu, et je reviendrai sous peu avec soit un titre de Queen, soit un titre de Coldplay, je sais pas encore, ça sera la surprise. Voilà. Donc, kiss kiss. Et on se revoit bientôt. Bye, à la prochaine.